conseille le port du casque pour profiter pleinement de cette vidéo. Alors salut tout le monde, je m'appelle Steelers et bienvenue dans cette vidéo Oculus. Alors avec l'intro que je viens de faire, on dirait vraiment un gros placement de produit, mais j'avais juste envie de faire un plan stylé parce que je trouvais l'éclairage plutôt cool, voilà. Alors, on avait fait une première épisode de ce jeu où on avait découvert, regardez, je vais essayer de vous le montrer, juste là. Donc on avait fait le chapter 1 et là on va faire le chapter 2 parce que ce jeu est juste insane, il m'a fait vivre des émotions incroyables. Est-ce que ça va faire la même chose dans ce chapitre 2? Je vous invite en allant voir la fiche qui va apparaître ici si vous n'avez pas vu l'épisode 1. Voilà, donc on va découvrir la suite ensemble. Et une chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi qu'il est écrit « Trial Version » en bas avec mon anglais absolument délicieux. Je comprends juste pas pourquoi qu'il est écrit ça alors que je l'ai pris sur le Oculus Store en bonne et due forme. Enfin bref, on enfile le casque et on se plonge dans l'espace. Ça se peut que je parle pas beaucoup. Comme dans le premier épisode, on le vit ensemble. Je le répète encore, la seule chose qui est malheureuse, c'est que vous ne pouvez pas... Juste ce cerceau, là, d'accord? Je veux dire, à l'œil comme ça, là, ça fait facilement dans le... Ah, c'est facilement dans le 10 mètres, tu vois? En ce moment, comment est-ce que je le vis, là? Ah, c'est du 10 mètres facile, tu vois le truc? Tandis que vous, quand j'ai fait le montage du premier épisode, ça m'avait quand même donné des émotions à cause de la musique, des sons. Parce que les sons, ça m'affecte beaucoup, ça me fait souvent pleurer dans un film. Comme dans Interstellar, par exemple, j'avais versé des larmes comme pas possible, mais principalement à cause de la puissance de la musique. Mais quand vous avez l'effet de la musique et cet effet de grandeur absolument gigantesque où tu te sens petit et impuissant face à cette splendeur de l'espace... Oh putain, c'est parti! Out there, in the dark. Oh shit! Ooh. For thousands of years, we've looked to the stars to find our place in the universe. Yet the essential forces of life remain invisible to our eyes. Oh. 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 C'est le soleil, ce truc? Gravity is a warp in space-time. Its force pulls clouds of dust together. Et là, tu vois ce truc? On dirait qu'il est gros à peu près comme une bille. Tu vois? Ce que je ressens là, au niveau de la grosseur. Out of the ashes, a new star is born. Reach out and feel the energy of the star. Je la fais grossir. Oh! Look inside. Tu vois, c'est gros comme un melon en ce moment. The atoms in our bodies were forged in the heart of stars. We too are made of stardust. Some stars burn for billions of years. This one won't. J'ai le dieu du feu, putain! The star, the faster c'est moi qui crée les planètes! Oh shit, the star là c'est du plasma! A few million years. C'est un... A massive star dies. It explodes in a violent okay, supernova. Oh! Supernova! Supernova rattles the fabric of space, opening a void we call a black hole. A black hole's gravity is so strong it bends the universe around it. This is called gravitational lensing.
C'est weird! Si on dirait le même trou noir que dans Interstellar, justement! Nothing can escape. Not even light. Holy time itself is warped. As it's pulled towards the black hole center. You are a star, sucked into the black hole's gravitational pull. 1 minute in a black hole's gravity. A thousand years passes on Earth. Ah, ça mesure des kilomètres. Oh, je me sens tellement petit, j'aime pas ça. Oh. At its center, you peer towards nothingness. Unlike other corners of space, black holes possess an event horizon, a boundary that cuts it off from the rest of the universe. Nobody has ever seen what awaits inside. Holy shit! You can't see into a black hole, but you can see out. Once you cross the event horizon, the whole universe is suddenly visible above you. Past this threshold, and there is no escape. Gravity increases as you fall towards the heart of a black hole. Its force stretches a star into strands of light. Below you is the singularity, a one-dimensional point where gravity becomes infinite. This is the center of a black hole. At the singularity, a star is lost forever as it vanishes into nothingness. The laws of space and time no longer apply. Reach up and make your way towards the surface. A black hole, a tear in the fabric of the universe. Reach towards the glowing star. Viens ici, fils de pute, que je te bouffe! Escape your grasp, not even another black hole. Un trou noir qui aspire un autre trou noir. On se croirait dans Point.io, là, je me rappelle plus du nom, où est-ce qu'on doit bouffer celui qui est le plus gros. J'ai mangé ça, fils de pute. When two black holes collide, they bang on the surface of time like a drum. Je deviens plus gros. Je vais faire comme dans Dragon Ball. J'ai besoin de la force de tous les gens pour être gros et bouffer cet enfoiré. Allez, allez, je te bouffe.
collision of two black holes creates a gravitational wave. A ripple in the fabric of space-time. Invisible to our eyes, these waves travel billions of years, eventually reaching Earth. For the first time, we hear two black holes sing. What? Use the sound of your voice to hear the music of the cosmos. Weird. Oh my god. Le micro rentre dans le jeu. C'est trop weird. C'est ma voix dans un black hole. Holy shit. J'ai juste l'impression d'être dans une grosse église. Incroyable. J'ai commencé à regarder la chaîne YouTube Astrono Geek et c'est sûr que bon, on connaît pas grand chose sur les trous noirs, mais c'est fascinant. J'aimerais avoir son avis là-dessus. Out there. Je viens juste de le découvrir et j'adore sa chaîne. Je vous mets sa chaîne en description. Astrono Geek. Il a une manière de parler, de nous expliquer et de démonter des mythes à propos de l'espace et tout. Il fait vraiment toutes sortes de choses. Ça vaut vraiment le coup, honnêtement. Allez voir sa chaîne. Ah! C'est fini. Ah, j'étais de côté. Ah, merde. C'est ça qui est chiant dans ce jeu. T'as pas une trace au sol qui te dit dans quel sens tu es devant. Donc, moi, je regarde partout, mais je sais pas que la caméra était là. Waouh! C'était une toute autre expérience. J'aurais cru que ça aurait été similaire à la première qu'on a vécue, qui m'a fait vivre beaucoup plus d'émotions parce que les sons étaient plus prenants et la voix de la narratrice, comme j'ai dit, ça n'avait rien à voir avec celle-ci. J'ai l'impression que ça n'a pas été enregistré dans le même micro. Celle-ci, on l'entendait là, un peu plus, on dirait comme ça, là, tu sais, on dirait qu'elle était plus... c'était plus... je sais pas. On dirait qu'elle a fait sa narration dans une commande à l'auto chez McDo, tu comprends? Tandis que l'autre, on dirait que c'était un putain de micro là, qui venait de chuchoter dans les oreilles. C'était insane. Alors pour vrai, il reste que c'était incroyable à quel point tu te sens petit, à quel point que tout est juste incroyable et expliqué. C'est génial, tu vis les théories de la science, c'est juste insane. Donc encore une fois, allez voir cette chaîne que je vous ai parlé, elle vaut vraiment le coup. Et je serais curieux d'avoir un commentaire de sa part dans cette vidéo pour me dire ce qu'il a pensé de ce qui a été dit durant cette vidéo. Donc, ça pourrait être intéressant d'avoir son avis, vu qu'il s'y connaît très très bien. Ah! Là, par contre, j'ai chaud. Il faisait fucking chaud. Je sais pas pourquoi. Il fait humide peut-être aujourd'hui et tout, j'en ai aucune idée. La dernière fois, ça a bien été, sauf que là, les lentilles ont commencé à buer. Alors, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu pour ce deuxième épisode. Et on va terminer, comme j'ai dit, je ne sais pas quand, avec... le troisième, alors je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, et cette fois-ci, ça va être narrationné par qui? Patti Smith! Ok, donc j'ai aucune idée c'est qui cette Patti Smith, mais nous allons voir. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir mon site web, le steelhorse.com, il y a vraiment plein de trucs, dont une section mes coups de cœur, vous pouvez aller voir des vidéos que j'aime, que j'ai trouvées sur YouTube, qui ne font pas partie des plus connues, tu sais, je ne mettrai pas du Squeezie ou du MXM, donc vous pouvez passer un bon moment, sinon il y a plein de sections, je vous invite à aller voir, dont ma section boutique, pour vous procurer du linge qui change à peu près à tous les mois, donc c'est du linge exclusif, qui est en fait collectionnable en quelque sorte, et évidemment quand que je vous vois en vrai, c'est toujours très cool de vous voir avec ma merch, voilà. Donc sur ce, tenez-vous bien, je vous aime très fort et on se voit dans un prochain épisode. Bye bye!